Roxana Borges, donc vous êtes conseillère en génétique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Je vous laisserai ensuite juste refaire une présentation de votre rôle au sein de ce service de génétique. L'idée du webinaire aujourd'hui, il est principalement de reposer un peu les fondamentaux de ce que c'est qu'un diagnostic prénatal, de ce que c'est qu'un diagnostic préimplantatoire, qu'est-ce que la différence entre les deux, qu'est-ce qui est accessible, dans quelles conditions, enfin voilà, le cadre un peu général et aussi le cadre individuel, parce que ça dépend forcément de l'histoire de chacun par rapport à sa situation. Écoutez, Roxana, je vous laisse la main. Merci beaucoup Delphine de m'avoir invitée. Je suis toujours très contente de participer au webinaire avec les associations parce que vous avez souvent des questions qui sont très pertinentes et voilà, je suis ravie de m'impliquer dans des associations. Donc merci pour cette invitation. Alors souvent les patients nous disent mais qu'est-ce qu'une conseillère en génétique? Alors ils demandent, c'est pas une conseillère conjugale? Non, ce n'est pas une conseillère conjugale. On est conseillère en génétique. Moi je suis sage-femme de formation. J'ai repris mes études avec un master de génétique. Et notre rôle de conseillère en génétique, c'est de travailler bien sûr avec les généticiens. Et donc, on fait des consultations de génétique pareil. Et on a chaque conseiller en génétique peut être spécialisé dans les domaines. Et moi, mes domaines de prédilection, puisque j'étais sage-femme avant, c'est bien sûr le prénatal et préimplantatoire, puisque tout ce qui est autour de la grossesse me passionne. Et en tant que sage-femme, quand je voyais des pathologies génétiques, j'étais déjà intéressée par ce domaine-là, d'où ma reprise des études. Et donc, je travaille à l'hôpital Necker. On a un gros centre de prénatal et je travaille beaucoup avec des généticiens, des métaboliciens, tout le service de métabolique qui travaille beaucoup sur les maladies lysosomales. Et donc, voilà, j'ai été mise en lien avec l'association. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Delphine m'avait transmis un petit peu les listes de questions. Je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Mais voilà, ce n'est pas un topo officiel. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas. Donc déjà, pour un petit peu replacer le cadre, parce qu'on est en France, il y a toujours des cadres législatifs. Alors, diagnostic prénatal et préimplantatoire, juste pour vous définir, et vous savez, puisque vous avez déjà dû entendre, prénatal, c'est de faire des tests génétiques pendant la grossesse, et préimplantatoire, c'est le processus où on passe par une fécondation in vitro pour sélectionner les embryons qui sont indemnes d'une pathologie génétique. D'accord? Ces deux procédures, ils sont soumis au même cadre législatif. C'est-à-dire que pour ces deux procédures, il y a une loi qui est parue en 1994 et c'est la même réglementation. Donc, quand on dit oui pour l'un, on dit oui pour l'autre procédure. Et c'est aussi pour mieux accompagner les patients parce que vous allez voir, il n'y a pas une bonne ou mauvaise procédure. Les deux existent, les deux ont des inconvénients et des avantages. Et on ne sait pas, nous, d'avance, ce qui va fonctionner pour un couple, mais le but est de laisser le plus d'opportunités possible pour les couples qui ont déjà un enfant qui a atteint un handicap ou une maladie génétique qui a été identifiée dans la famille, d'aboutir à leur projet parental. Et donc, ces deux cadres légaux, on n'a pas de liste de pathologies. On n'a pas une liste à côté de disant, voilà, maladie de Gaucher, on dit oui, maladie de Hunter, on dit oui. On n'a pas de liste. Tout est discuté cas par cas. On a des staffs tous les vendredis, c'est ce qu'on appelle les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, et tout est discuté cas par cas. Suite aux demandes des familles, puisque pour les mêmes pathologies, on n'a pas forcément les mêmes demandes. Donc, c'est les couples qu'on voit en consultation qui viennent nous voir en disant, voilà, nous, on souhaiterait passer par une de ces deux procédures parce que c'est très compliqué pour nous. On a déjà un enfant qui présente cette maladie-là et on ne souhaite pas prendre le risque pour un deuxième enfant. Et ce qui est important de comprendre dans ces deux procédures, c'est-à-dire on accepte, on dit oui pour la recevabilité, dans la mesure où on accepterait une interruption médicale de grossesse si le couple formule cette demande-là et que le fœtus est atteint de cette pathologie. Delphine, si je vais trop vite aussi, n'hésite pas à m'interrompre. Alors, ce que je vous disais, tous les dossiers sont discutés en centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. C'est un centre qui regroupe des obstétriciens, des échographistes, des généticiens, conseillers en génétique, des pédiatres, des sages-femmes. Voilà, on est à peu près une trentaine en staff et on discute cas par cas sur la recevabilité des demandes selon les pathologies.
Alors juste, je reviens un petit peu sur les modes de transmission que vous connaissez tous, mais c'est important aussi de revenir dessus. Pour les pathologies, en ce qui concerne les maladies lysosomales, la majorité sont de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire que le couple, chacun est porteur de la maladie génétique et le risque de transmission, bah, finalement, c'est de transmettre, on transmet toujours une copie d'un allèle à notre descendance. Bah, c'est le risque là, par exemple, de transmettre cet allèle-là et l'allèle muté de la dame et finalement d'avoir un enfant qui présente la pathologie génétique. Là, je vous ai mis des filles, des garçons, mais quand c'est autosomique récessif, c'est quel que soit le sexe, hein, d'accord? Et donc là, un quart qui soit atteint de la pathologie, et bien sûr, à chaque fois, on reprend les autres probabilités, bah, c'est de transmettre cet allèle muté, mais pas cet allèle muté, c'est un porteur sain comme le couple, là aussi porteur sain, ou de transmettre l'allèle qui ne porte pas les mutations. Donc, 3 chances sur 4 d'avoir des enfants qui seraient indemnes d'une pathologie autosomique récessive et un quart qui soit atteint de la pathologie génétique. Et pour cette mode de transmission, ben, on peut proposer ce qu'on appelle un diagnostic prénatal invasif, c'est-à-dire en cas de grossesse, on reçoit le couple en consultation de génétique et on leur dit, voilà, nous, on a une possibilité de faire un prélèvement de placenta, c'est ce qu'on appelle le biopsie de trophoblaste, ou une amniocentèse, c'est un prélèvement de liquide amniotique. Quelle est la différence entre ces deux procédures? Ben, finalement, il y en a un qu'on peut faire plus tôt. Maintenant, en France, dans les gros centres, ben, on privilégie, nous, le prélèvement de placenta parce que c'est les mêmes résultats que l'amniocentèse. C'est le même risque de fausse couche qui est inférieur à 0,5% et le délai de résultat est à peu près le même, il est de 10 jours. Donc, autant faire un prélèvement plus précoce, ce qui permet d'avoir un résultat plus tôt aussi. Et si le couple demande une interruption médicale de grossesse, si le fœtus est atteint, ben, on peut le faire plus précocement. Et ça se passe sous anesthésie générale par aspiration. Pour le liquide amniotique, comme on est déjà avancé un petit peu dans la grossesse, puisqu'on est à 15-16 semaines d'aménorrhée, on est à 4 mois, bah, l'interruption médicale de grossesse, ça se passe par voie basse. Donc, c'est différentes problématiques. Et plus tôt on a les résultats, plus tôt le couple peut se projeter dans une grossesse d'un enfant qui va bien ou qui est atteint et préparer au mieux les choses. Donc, nous, en tout cas, à l'hôpital Necker et dans les gros centres, on privilégie les prélèvements de placenta. Donc, vous voyez, on passe par voie abdominale. Ça se passe toujours sous contrôle échographique, bien sûr. On ne touche absolument pas au bébé. On introduit une aiguille qui peut être impressionnante parce qu'elle est longue, parce qu'elle doit passer la peau, le muscle et aller prélever un morceau de placenta, mais elle est très, très fine. Et on va prélever un petit morceau de placenta qui nous parvient dans le laboratoire. Ici, c'est le docteur Catherine Caillot qui est notre biologiste de référence pour les maladies lysosomales et qui nous rend les résultats en 10 jours. Donc, c'est assez rapide. Alors, certaines patientes nous disent que c'est toujours long et ça, moi, je le comprends parfaitement en tant que sage-femme. C'est toujours très, très long, cette attente de résultats et c'est une période de stress pour le couple. Et le liquide amniotique, c'est la même procédure que le placenta, sauf qu'on prend du liquide amniotique qui est autour du bébé là. Et pareil, résultat en 10 jours. Ça, c'est pour les maladies autosomiques récessives. Et donc, pour les maladies à transmission liées à l'X, donc ça, là, c'est on est lié au chromosome sexuel, d'accord? Ça, c'est par exemple la maladie de Hunter. Donc, le monsieur ne porte pas de mutation génétique. La patiente est conductrice, par exemple, de la maladie de Hunter. Elle a une mutation sur une des deux copies. Elle va bien. Et quel est le risque pour sa descendance? Bah, finalement, les filles vont aller bien. D'accord? Toutes les filles vont aller bien, soit elles ne seront pas porteuses du tout de la mutation, soit elles seront conductrices comme la maman. D'accord? Et le risque finalement, c'est surtout d'avoir un enfant, un garçon atteint de cette pathologie génétique, si elle transmet son X à un petit garçon et le monsieur transmet son Y. Donc, en cas de fœtus masculin, le risque que le fœtus soit atteint de la maladie, par exemple, de Hunter, ben, il est de 50% en cas de fœtus de sexe masculin. Si on ne connaît pas le sexe, ben on dira il est de un quart. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour ces couples-là qui viennent nous voir en consultation où les patientes sont conductrices de cette pathologie, d'une pathologie lysosomale liée à l'X? Ben, on va leur proposer dans un premier temps de regarder le sexe du bébé parce que vous avez vu, c'est lié au sexe. Donc, on va faire une prise de sang à la maman à 10 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est très, très tôt dans la grossesse parce qu'il y a de l'ADN fœtal circulant dans le sang de la maman et on va regarder, on a le résultat à peu près en une semaine, on va voir si c'est une fille ou un garçon. Si c'est une petite fille, ben, on sait que finalement, elle va aller bien. Elle a le risque d'être conductrice, mais elle va aller bien. Donc, on va s'arrêter là. Et en cas de fœtus de sexe masculin, et au risque de 50% qui soient atteints de la pathologie, ben on repart sur la même procédure que tout à l'heure. Donc, prélèvement de placenta à 12 semaines d'aménorrhée ou amniocentèse à 15-16 semaines d'aménorrhée. Et ça, on le discute avec le couple, mais la plupart du temps, on fait le prélèvement de placenta, comme je vous le disais tout à l'heure.
Donc ça, c'est pour le prénatal. Est-ce que vous avez déjà des questions pour le prénatal ou je continue sur le préimplantatoire? Je regardais vos questions. Alors, si c'est une fille, elle peut être malade, comment savoir, même si c'est rare? Ah, c'était la question de Justine était pour Hunter. Si c'est une fille, elle peut être malade. Il y a quelques cas effectivement qui ont été avancés de situation, mais c'est extrêmement rare. Exactement. Pourquoi c'est rare, en fait? Parce que nous, les filles, on a deux chromosomes X, d'accord? Et en fait, on n'exprime pas les deux chromosomes X de la même façon, parce que sinon, les garçons qui sont XY, ben, il leur manquerait des choses si on avait les deux X qui étaient indispensables. On éteint certaines zones de notre chromosome X, ce qui fait que parfois, quand on a une mutation, qu'on est conductrice des maladies liées à l'X, ben, finalement, on éteint le X qui porterait la mutation génétique. La nature est bien faite. Et donc, on va bien. Et la plupart des maladies liées à l'X, c'est comme ça. C'est-à-dire, on va éteindre le X qui porte la mutation. Et donc, il y a des rares cas rapportés et c'est dû justement à ce phénomène qu'on appelle de biais d'inactivation. Le fait d'éteindre certaines zones du X, bah, parfois, il y a ce phénomène-là du biais d'inactivation qui va mal se faire et on va éteindre le X bah, qui ne porte pas la mutation. Et donc, finalement, les filles vont exprimer la maladie. Mais c'est très, très rare. Globalement, dans toutes les pathologies, hors même pathologie lysosomale, bah, les maladies liées à l'X, les filles sont conductrices et sont très peu symptomatiques. Il y a des rares cas toujours, en médecine, on dit jamais, jamais, mais il y a des rares cas rapportés, voilà. Mais globalement, les filles vont très bien. Mais par rapport à votre exposé, en fait, vous disiez que si on détectait que c'était une fille, on arrêtait le processus. Mais du coup, Exactement. si les parents veulent aller plus loin pour être certains, c'est… On ne peut pas le savoir, en fait, le biais d'inactivation, la façon dont on éteint certaines zones de ce chromosome X, on ne peut pas le doser en prénatal, c'est impossible. Donc, on ne pourra pas le savoir. Donc, pour toutes les pathologies liées à l'X, dans la mesure où les filles ne sont pas symptomatiques, quand on fait le diagnostic de sexe fœtal et c'est une petite fille, on en reste là, on ne va pas plus loin. D'accord. Et juste, je revenais sur la recevabilité des demandes qu'on avait discutées. Et dans les questions, ça faisait partie aussi de questions. Alors, je ne sais plus si c'était une dame ou un monsieur, en effet, qui parlait de la maladie de Gaucher de type 2 et 3. Bien sûr, c'est une pathologie sévère. Et bien sûr, on a fait du prénatal et on fait du prénatal et préimplantatoire. Mais pour le Gaucher de type 1, ben voilà, ça s'est discuté parce qu'il y a un traitement, en effet. Et donc, pour le moment, on n'a pas accepté de demande sur les pathologies de Gaucher de type 1. Je répète. Et donc, voilà, nous, on invite les couples à venir en consultation s'ils sont une forte demande et de discuter avec eux. Mais pour le moment, on n'a pas eu de demande sur le type 1. Et alors, une autre question là, du coup, c'était la choriosynthèse. Est-ce que ça correspond à la biopsie de trophoblaste? Exactement, le chorion, c'est le trophoblaste, c'est le placenta. Exactement, c'est cette procédure-là qu'on fait à 12 semaines d'aménorrhée. On est à 10 semaines de grossesse. Donc, on est très tôt dans la grossesse. Alors, pour les patientes, ça semble toujours, toujours tard. Et maintenant, il y a beaucoup de centres même qui travaillent sur ce qu'on appelle le diagnostic prénatal non invasif, travaillent sur l'ADN fœtal qui circule dans le sang de la maman. Donc, on est en train d'arriver sur d'autres pathologies à le faire. Mais voilà, pour le moment, on fait le prélèvement de placenta à 10 semaines de grossesse, 12 semaines d'aménorrhée, choriosynthèse, c'est la même chose. Du coup, on a perdu Anne en cours de route. Je pense qu'elle se reconnectera pour. Oui, mais je crois qu'elle était. Elle avait dit merci pour la réponse. Donc, je pense que la réponse, effectivement, de pouvoir tester une fille dans le cas de la maladie de Hunter, vous y aviez répondu en disant que bah, malheureusement, on n'avait pas les moyens aujourd'hui de pouvoir indiquer si elle allait être malade ou pas. En fait, on ne sait pas le biais d'inactivation. C'est-à-dire, même Oui. si on faisait prélèvement de placenta, on voit qu'elle porte la mutation, bah, on ne pourra pas répondre. On ne pourra pas dire avec certitude qu'elle va parfaitement aller bien. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire un geste invasif pour quelque chose où on n'en ferait rien. Nous, dans le domaine médical, on fait des gestes que si ça entraînerait une décision derrière. Mais dans la mesure où on ne peut pas savoir le biais d'inactivation en prénatal, bah, on ne fait rien pour les petites filles qui vont bien dans quasiment toutes les maladies liées à l'X. Voilà. Après, il y a des cas rares. Il y a des cas très rares et on peut les discuter en consultation si vraiment il y a une grosse angoisse derrière. Merci. On vous laisse poursuivre. Je poursuis. Donc, ça, c'est le prénatal. Donc, ça, vous avez en général très bien compris le prénatal parce que c'est une grossesse débutée
avec le stress d'attendre les délais qui sont donnés par le corps médical pour faire ces gestes invasifs, les délais pour les résultats. Et malheureusement, voilà, y a un geste d'interruption médicale de grossesse si le fœtus est bien, même si toujours on croise les doigts en disant on espère que le fœtus va aller bien, 3/4 de chance que le fœtus aille bien ou 1/2 si c'est une petite fille et que ça s'arrête là. Mais voilà, vous arrivez très bien à appréhender l'interruption médicale de grossesse qui peut être compliquée psychologiquement pour les couples, même si on connaît la pathologie qui est sévère. Alors, à côté de cette procédure-là, du fait de cette interruption médicale de grossesse qui peut être très éprouvant pour les couples, il y a une autre procédure que nous, on appelle le diagnostic pré-implantatoire. C'est le fait d'aller pouvoir faire un diagnostic pendant la grossesse. Alors, attendez, j'arrive pas. Voilà. Pendant la grossesse. Donc, ça, déjà, ça passe. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un staff où on discute des demandes. Bah, c'est la même chose. Ici, en diagnostic pré-implantatoire, on discute de chaque demande cas par cas. C'est souvent un généticien qui nous transmet votre demande d'inscription dans ce parcours. Et donc, tout est discuté en centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour la recevabilité. Mais on discute après de la validation gynécologique. Est-ce qu'on est bien dans toutes les bons critères d'acceptation gynécologique et est-ce qu'on est dans de bonnes conditions aussi génétiques, c'est-à-dire qu'on a identifié une mutation génétique, on connaît son mode de transmission et qu'on est sûr de pouvoir accéder à tout ce qu'on veut pour pouvoir réaliser ce pré-implantatoire. Et donc, l'étape d'après, une fois que vous êtes inscrit, c'est qu'on vous voit ici en consultation pluridisciplinaire et on va lancer la démarche pour la stimulation. Et ça, je vais revenir dessus. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nos délais d'attente en pré-implantatoire, on est de l'ordre de 18 à 24 mois. Alors, ça semble énorme au couple et on est tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est qu'on a un nombre de financements qui nous est donné chaque année par centre pour pouvoir prendre un nombre précis de couples. C'est pris en charge par la Sécurité sociale et pour le moment, on ne nous donne pas plus de moyens pour pouvoir prendre plus de couples du fait, et c'est ce qui explique un peu nos délais. Nous sommes 5 centres de diagnostic pré-implantatoire en France, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Grenoble, Paris. Et donc, ces 5 centres, on se répartit un petit peu les indications. Nous, on fait les maladies lysosomales, tout ce qui est pathologie pédiatrique à Necker, on le fait. Et donc, vous pouvez soumettre votre demande. On vous demande après de cibler un centre pour ne pas faire travailler en doublon les autres centres. Ça, c'est juste pour vous montrer à titre de comparaison pour les centres de pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. C'est vous prendre en charge ce que je vous ai expliqué avant pour la chorio-synthèse, biopsie de trophoblast ou liquide amniotique. Finalement, vous voyez, il y a 48 centres. Donc, on n'est pas dans les mêmes proportions encore pour le pré-implantatoire et le prénatal. Donc, comment ça se passe le diagnostic pré-implantatoire? C'est le fait de faire des tests génétiques sur les embryons. Donc, on se place au stade avant la grossesse. Et donc, on va passer tout d'abord par une étape, nous, de ce qu'on appelle de stimulation. C'est des cellules qui servent à avoir des bébés pour vous, mesdames. C'est ce qu'on appelle des follicules ovocytaires. C'est ça que vous voyez, les taches noires. Le but, c'est d'en avoir un maximum. Et après, de les faire féconder. Là, vous voyez, on a stimulé. Donc, on donne des hormones pour faire grossir ces follicules. On ne sait pas les créer, mais on les fait grossir. On introduit une canule pour aller prélever le liquide où sont contenus ces ovocytes. On les micro-injecte avec le spermatozoïde de votre conjoint. On attend 8 jours. Au bout de 8 jours, on a un embryon qui constitue en moyenne de 8 cellules et on va prélever une à deux cellules. Et voilà, nous, ce qu'on voit, c'est des profils comme ça de marqueurs pour les pathologies génétiques moléculaires. On va voir si l'embryon est atteint ou il est sain. Donc, voilà l'étape, c'est la stimulation ovarienne. C'est la même étape que les couples qui n'arrivent pas à avoir de grossesse, qui sont dans un parcours d'infertilité. C'est exactement la même chose. Donc, on va aller recruter tous les follicules qui sont présents dans les ovaires des patientes. Ce qui est important, c'est qu'au début, on regarde leur réserve ovarienne en regardant déjà combien elles en ont, parce que si déjà on n'a pas beaucoup de follicules, on sait qu'on ne va pas être très bon dans cette procédure et on dit au couple, écoutez, essayez plutôt naturellement parce qu'on ne va pas être très bon dans la stimulation. Parce que nous, on sait les faire grossir, mais on ne sait pas les créer. Donc, dans le bilan tout à l'heure que je vous ai dit de faisabilité gynécologique, c'est justement de vérifier cette réserve ovarienne. Donc, nous, on va les stimuler. Donc, on va vous faire des injections d'hormones en sous-cutané pendant 10 à 15 jours en moyenne. Il y a toujours des moyennes parce que c'est toujours sur mesure le pré-implantatoire. On ne sait pas comment une patiente va répondre. Donc, il y a certaines patientes qui répondent en 10 jours, d'autres qui répondent en 15 jours. Donc, c'est des injections d'hormones qu'on fait en sous-cutané. Et tous les 2-3 jours, il faut venir à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart quand vous êtes prise en charge dans le centre de DPI de Necker pour contrôler votre réponse aux hormones. Soit vous ne répondez pas assez, on augmente les hormones, soit vous répondez trop, on diminue les hormones. Et on joue un petit peu sur ces dosages-là pendant 10 à 15 jours.
on va déclencher l'ovulation et on va après aller prélever les ovocytes qui étaient contenus dans vos ovaires. Donc, on introduit une aiguille, on va aller ponctionner le liquide où sont contenus ces ovocytes. Voilà, là, c'est pour vous montrer. On a introduit une cannule par voie gynécologique. Et là, on a, vous voyez, on a fait grossir les follicules dans les ovaires et on va aspirer le liquide où sont contenus ces ovocytes. Ça, c'est un geste qui peut faire un petit peu mal. En général, on fait sous anesthésie locale, mais quand il y a des patientes qui disent, ben voilà, moi, je connais mon seuil de douleur et je souhaiterais avoir une anesthésie générale, on peut faire une anesthésie générale, mais c'est très rare qu'on ait besoin de la faire. Donc, le même jour où on recueille ces ovocytes chez la patiente, on va recueillir les spermatozoïdes chez vous, messieurs. Donc, ça se fait le même jour à l'hôpital Anton Becler. Il y a des consignes un petit peu avant le recueil. Et donc, on va aller micro-injecter le spermatozoïde dans l'ovocyte et la division embryonnaire va commencer. Et nous, on va aller faire une biopsie embryonnaire, aller prélever une à deux cellules, deux embryons à ce stade-là pour voir s'il est atteint ou il est sain. Jusque-là, vous étiez dans le même parcours que les patientes qui ont des problèmes de fertilité. Vous voyez, là, jusque-là, ça ne change pas. La seule chose qui va changer, on va rajouter à cette procédure de PMA, procréation médicalement assistée, un test génétique qu'on va réaliser sur des embryons, sur une à deux cellules. Donc, on va... voilà, là, je vais vous montrer comment on fait. Là, donc, on a l'embryon à 8 cellules et nous, le but, c'est de prélever une à deux cellules pour les analyser, pour voir s'ils sont sains ou atteints. Alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Là, c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait. Voilà, on vient percer la membrane pellucide d'un laser. On introduit une petite pipette. Vous voyez, on casse un petit peu la membrane pellucide. On rentre à l'intérieur et on va aller prélever une à deux cellules. D'accord. Souvent, l'inquiétude des couples, ils disent « Ah là là, mais si vous prélevez une à deux cellules, est-ce que ça ne va pas donner d'autres maladies génétiques ?» La réponse est non, parce qu'on est, au même stade, pardon, voilà, on est au même stade que quand il y a les formations des vrais jumeaux. Donc, l'embryon peut se diviser à ce stade-là pour donner les vrais jumeaux. Donc, le fait de prendre une à deux cellules, bah, parfois, certains embryons ne se développent pas, mais ça se trouve, ils ne se seraient pas développés. Mais voilà, on n'a pas plus de maladies génétiques en passant par ces procédures de diagnostic pré-implantatoire. Donc là, on a prélevé une à deux cellules des embryons. Et donc, ils nous sont envoyés à l'hôpital Necker. Et donc, la première chose qu'on va faire, parce qu'une à deux cellules, ce n'est pas beaucoup. Par exemple, si on compare à une prise de sang, c'est des millions de cellules. Le prélèvement de placenta dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des millions de cellules. Donc, la première étape, c'est d'amplifier le matériel génétique avant d'étudier l'ADN pour voir si les fœtus sont atteints ou si sont sains. Donc, on va regarder, nous, c'est des profils comme ça génétiques qu'on a, c'est des marqueurs qu'on place de part et d'autre du gène, c'est des marqueurs spécifiques à chaque famille. Et donc, on va transférer les embryons qui sont sains ou porteurs sains, ça c'est dans les maladies autosomiques récessives, les porteurs sains, vous vous souvenez, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, on peut être porteur sain d'une maladie génétique, on va bien, on a juste une copie qui est altérée, l'autre copie va bien, et donc ces embryons-là, ils vont faire l'objet du transfert. Alors, certains couples nous disent, oui, mais est-ce que... Tant qu'on est en train de faire du DPI, est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette transmission de pathologie, même si on est porteur sain, parce que ça les évitera quand ils seront grands d'avoir les mêmes problématiques que nous. Alors, légalement, on n'a pas le droit. C'est des enfants qui vont bien, donc il faut vous allez bien. Donc, il n'y a pas de raison d'éliminer ces embryons-là. Donc, légalement, on n'a pas le droit. Éthiquement, bah, ça pose problème puisque c'est des enfants qui vont bien. Vous allez voir, les chances de succès, ils sont déjà faibles en diagnostic pré-implantatoire. Bah, si on commence à détruire les embryons qui seraient porteurs sains de pathologies génétiques, on ne s'en sortirait pas. Et donc, d'ici là, en plus, on aura fait des progrès. Donc, les porteurs sains, ils feront l'objet de transfert. Pareil pour les filles conductrices dans le cadre des maladies de Hunter dont je vous ai dit tout à l'heure. On va les transférer, ces petites filles qui sont conductrices. On ne saura pas leur statut qu'elles sont conductrices. On va transférer toutes les petites filles. Mais quand elles seront majeures, elles pourront venir nous voir en consultation et on leur parlera des différentes possibilités. Et d'ici là, on aura probablement d'autres choses à proposer qu'on vous propose actuellement. Donc voilà, et les embryons qui sont atteints, ceux-là, bah, on les détruit. On ne les conserve pas. Tous les embryons atteints, on va les détruire. Et juste, je reviens. Oui, pardon. Pardon, excusez-moi, une question du coup. Ce qui veut dire que lorsque vous implantez les embryons, vous savez si c'est un embryon sain ou si c'est un embryon porteur? Alors, porteur, nous, on ne regarde pas. Par exemple, si c'est des petites filles, toutes les petites filles, par exemple, dans les maladies de Hunter, on va les transférer. D'accord ? Donc, on ne verra pas. Et pour les autres maladies autosomiques récessives, bah, ceux-là, on ne rend pas le résultat en disant s'il est porteur sain ou s'il est sain. On va juste rendre en disant il est sain. C'est un embryon qui est sain.
D'accord. Donc ensuite, cet enfant-là, quand il sera adulte, devra faire la démarche de savoir quel est son statut, s'il est porteur Exactement. ou s'il n'est pas porteur. Exactement, parce qu'en France, on interdit en fait de rendre des résultats génétiques à des mineurs s'il n'y a pas d'intérêt direct pour eux à connaître leur statut, qu'il n'y a pas de moyen de prévention ou de traitement. Et donc, il ne faut pas coller une étiquette sur le front de ces enfants-là, et puis d'ici là, on fera des progrès. Donc, il faut laisser ces enfants grandir, bah, qu'ils souhaitent connaître leur statut au moment où ils auront décidé, où ils auront un projet parental, puisque finalement, quand on sait qu'ils sont porteurs sains, bah, à quel moment on leur dit l'adolescence, ce n'est pas le moment, quand ils viennent rencontrer leurs copains, copines, ce n'est pas le bon moment, alors que quand ça vient d'eux en disant bah voilà, je vais prendre l'initiative d'aller me faire tester vis-à-vis de cette pathologie. Ils viennent nous voir et je vous dis, d'ici là, on aura fait des progrès. Par exemple, là, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le diagnostic prénatal non invasif sur l'ADN fœtal circulant. Donc, d'ici 20-30 ans, on aura fait des progrès. Donc, ces enfants-là, oui, quand on fait une annonce génétique en disant vous êtes porteur, il faut avoir des solutions derrière et il faut être à jour dans ces solutions. Donc, on ne rend pas un résultat si on ne peut pas continuer la discussion en disant voilà, tu es une jeune fille, tu es porteuse, par exemple, de la maladie, t'es conductrice de la maladie de Hunter, ne t'inquiète pas, on va pouvoir te proposer ça, 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 ça. Et d'ici 30 ans, je vous dis, on aura fait des progrès. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Ça va comme réponse? C'était clair? Oui, tout à fait. Merci. D'accord. Et donc, les embryons atteints, on les détruit, on ne les conserve pas. Et un point important, on ne regarde que la pathologie génétique identifiée dans la famille. On ne regarde pas d'autres pathologies génétiques, que ce soit là, dans cette procédure du pré-implantatoire ou le prénatal de tout à l'heure. D'accord? On ne s'amuse pas à regarder d'autres maladies. Parfois, il y a des familles qui disent, bah, est-ce qu'on ne peut pas regarder trisomie 13, 18, 21? Non, parce que vous avez vu, on prend une à deux cellules, c'est déjà extrêmement technique. Nous, on met parfois des risques d'erreur parce que tous nos marqueurs ici ne passent pas et on n'a pas les deux cellules, parfois on n'a qu'une seule cellule. Donc, si on commençait à regarder d'autres choses, on va encore plus perdre en fiabilité de nos résultats. Donc, nous, on ne regarde que la pathologie génétique identifiée dans la famille avec les mutations qui ont été identifiées dans la famille. On ne regarde pas d'autres choses. Donc, on a des difficultés, malheureusement, en médecine, on a toujours des difficultés dans tout ce qu'on fait sur le diagnostic pré-implantatoire. Le peu de matériel biologique, ça, je vous ai dit, on est sur une à deux cellules. On a peu de temps pour rendre le diagnostic parce que finalement, on prélève une à deux cellules et il faut qu'on transfère l'embryon à J5. Donc, il faut qu'on fasse vite et bien. Et parfois aussi, c'est du fait de la qualité des embryons. Finalement, on voit que les embryons, bah, tous ne vont pas se développer. On va, même si on rend… Bah, l'embryon numéro 3 S1, bah, entre J3 et J5, le jour du transfert, bah, il ne va pas évoluer parce que les cellules ne sont pas bien régulières, il n'y a pas les noyaux. Il y a cet effet un peu entonnoir où on parle de beaucoup d'ovocytes, les follicules sont dans les ovaires des patientes et à chaque étape, on peut perdre des chances de succès. C'est lié au phénomène naturel et tous les embryons ne se développent pas. Et donc, on va transférer les embryons qui sont sains, l'embryon ou les embryons qui sont sains entre J4 et J5. On met une canule dans l'utérus de la patiente et on va injecter l'embryon qui est sain. Alors, ce n'est pas parce qu'on injecte un embryon qu'il y a 100% de grossesse, parce que parfois, il n'y a pas de nidation. Donc, une fois qu'on met un embryon sain dans l'utérus, les chances de grossesse sont de 30%. Mais ça, c'est si on a un embryon sain à transférer. Donc, quand on a un embryon sain à transférer, 30% de grossesse. D'accord? Mais ce qui fait que le problème, c'est que voilà, à chaque étape, on peut perdre des chances, on perd des chances de succès. Toutes les patientes ne vont pas répondre à la stimulation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les injections d'hormones, il y en a, bah, parfois, on n'arrive pas à recruter les ovocytes. Donc, vous voyez, là, déjà, on en perd 15 à ce moment-là. Parfois, on va aller ponctionner les ovocytes, mais on n'arrive pas à tous les ponctionner. On repère des couples à ce moment-là. On va biopsier les cellules, bah, parfois on n'arrive pas non plus ou les embryons ne se sont pas développés. Et ce qui fait qu'on a vraiment un effet entonnoir. Une patiente qui a par exemple allez, dans les 30 ans où on a 15 ovocytes dans les ovaires, on va stimuler, on va en avoir, je vous dis ça à titre d'exemple, on va en stimuler 10. On ponctionne, on en a 8. On micro-injecte les spermatozoïdes de monsieur, bah, on en a 6. On attend J3, bah, on en a 4 ou 3. 3, on va regarder, on a un embryon sain et les deux autres atteints. Vous voyez, il y a vraiment un effet entonnoir. Et ce qui fait que pour la moitié des couples, on aura des embryons sains à transférer, mais pour la moitié des autres couples, on n'aura pas d'embryons sains à transférer. Ça s'est arrêté aux étapes d'avant, soit la stimulation, soit la ponction, soit la biopsie. Et donc, ce qui fait que du début de la stimulation à un bébé dans les bras, ben, on a des chances de succès qui sont à peu près de l'ordre de 20%. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Et donc, finalement, vous voyez, c'est pour ça aussi que les couples navigue d'une procédure à l'autre, que ce soit entre le prénatal et préimplantatoire, parce que chaque procédure a ses avantages et ses inconvénients.
en prénatal, bah, quels sont les avantages? Bah, vous faites ça sous la couette. Ce n'est pas une procréation médicalement assistée, c'est toujours plus agréable sous la couette que hyper médicaliser cet acte d'amour. Vous avez plus de chances de grossesse naturelle finalement, même si c'est à peu près du même ordre, mais comme c'est sous la couette, je pense que c'est moins pesant pour les couples. Et les inconvénients, bah, c'est finalement le risque d'avoir un fœtus qui est atteint, d'interrompre une grossesse qui est en cours. On connaît l'investissement affectif que cela entraîne, la part de culpabilité pour les patientes et les couples d'interrompre une grossesse qu'on désire, mais qu'on interrompt pour une pathologie génétique sévère. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que les interruptions volontaires de grossesse. On est dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse. Vous souhaitez cet enfant-là, mais qui est atteint d'une pathologie sévère. Pour le préimplantatoire, quels sont les avantages? Bah, finalement, une fois que vous êtes enceinte, bah, vous êtes tranquille. Ça vous lève un poids. Même s'il y a toujours un petit risque d'erreur qui est très faible en préimplantatoire, ça vous lève un poids parce que vous savez que vous n'allez pas passer par cette procédure d'interruption médicale de grossesse. Et pour vous aussi, psychologiquement, c'est moins difficile quand on sélectionne les embryons parce que vous ne les voyez pas. Ce n'est pas comme un fœtus qui se développe dans votre ventre. Et donc, il y a moins d'impact affectif en préimplantatoire sur ces embryons que sur les fœtus. En revanche, il y a des inconvénients, bah, c'est tout ce qui est la lourdeur de la procréation médicalement assistée. Vous êtes en majorité des couples fertiles et donc de passer par ce parcours d'infertilité, c'est compliqué à appréhender pour vous. Ce n'est pas comme les couples qui n'arrivent pas à avoir des bébés pendant 4 ans et qui c'est la seule technique pour avoir les enfants. Vous, ce n'est pas ça. Vous, c'est une maladie génétique, vous arrivez à faire vos bébés. Mais c'est le risque de pathologie génétique qui est de 1 quart. Et donc, c'est toute cette lourdeur d'AMP que vous avez du mal à vous projeter et à appréhender, ce qui est normal. Et pareil, ce qui est difficile aussi, bah finalement, c'est tout ce qui est annulation, refus, parce que vous n'avez pas une bonne réserve ovarienne. C'est toutes les contraintes qui sont liées à la procréation médicalement assistée dont vous, spontanément, vous n'avez pas besoin. Et les chances de succès qui sont finalement faibles, où on est à 20% de taux de succès. Donc, ce n'est pas énorme. Et tout ça en ayant ce délai d'attente que je vous ai dit au départ, qui est de l'ordre d'à peu près de 18 mois. J'ai deux petites questions. Oui, bien sûr. La première concernant le diagnostic préimplantatoire. J'avais en mémoire que on était limité en nombre de tentatives possibles. Exactement. En général, on fait 3 tentatives par couple. Tout est discuté cas par cas. On a des staffs après chaque tentative où on se pose la question, est-ce que ce couple aurait une chance si on les prend à nouveau en charge? Je vous dis en moyenne 3 tentatives. Pourquoi? Parce que parfois, on peut s'arrêter à la première tentative. Si la patiente répond pas du tout à la stimulation, parfois on peut changer juste d'hormone, voir si elle répond, mais parfois elle répond pas bien. Ça sert à rien de lui faire perdre du temps, donc on va arrêter. Et d'autres patientes, on fait 3 tentatives, à chaque fois on a eu des embryons, mais manque de bol, c'était des embryons atteints ou il y a eu des fausses couches. Bah, pour cette patiente-là, on a tendance à dire, bah, on va la prendre une 4e fois par exemple, parce qu'on sait que ça a fonctionné. C'est juste, voilà, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Donc c'est 3 tentatives en moyenne, mais on peut discuter de prendre une tentative en plus ou en moins en fonction de la réponse de chaque patiente. Vraiment, le diagnostic préimplantatoire, c'est du sur-mesure. Même si on vous dit voilà les généralités, après pour vous c'est différent. On a une discussion couple par couple, on a des staffs dédiés pour vous. Mais donc ça veut dire que potentiellement à un moment donné, ça ne sera plus possible pour le couple d'avoir accès à du diagnostic préimplantatoire s'il y a eu plusieurs échecs. Exactement. Au bout de 3 tentatives, si ça n'a pas fonctionné, si on voit qu'il n'y a pas plus de chances que ça réussisse sur une autre tentative, on va arrêter. Donc, c'est toujours très douloureux pour les couples de dire, bah voilà, on va renoncer à notre projet parental dans le diagnostic préimplantatoire. Et c'est souvent le couple qui rebascule sur une grossesse spontanée avec un diagnostic prénatal. Et c'est pour ça que ça permet, le cadre légal permet au couple de naviguer d'une procédure à l'autre. Et pour le prénatal, il n'y a pas de liste d'attente, hein, d'accord? C'est pour le préimplantatoire, souvent, vous vous inscrivez et vous essayez par ailleurs des grossesses spontanées. Et alors, une autre question, mais peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse. Je voulais savoir pour l'une et l'autre des procédures, quelles pouvaient être, et c'est vrai que ça doit être dépendant aussi de la pathologie, mais quel pouvait être éventuellement le pourcentage d'erreurs de diagnostic?
Alors, pour le prénatal, si on vous rend un résultat, c'est qu'on n'a pas d'erreur. On fait trois techniques toujours, ce qu'on appelle étude directe, on regarde la présence ou l'absence de la mutation. L'étude indirecte, on place des marqueurs de part et d'autre du gène et on regarde ce qui a été transmis au fœtus. Et on regarde bien qu'on est sur l'ADN du fœtus et non pas sur le versant maternel du placenta, par exemple, qu'on n'a pas de contamination maternelle. Si on vous rend un résultat avec ces trois techniques, il n'y a aucun risque d'erreur. Donc, on est sûr de nos résultats, on vous rend ce résultat-là en prénatal, d'accord? S'il y a un risque d'erreur, ça, on vous l'explique. On vous dit, ben voilà, on a de la contamination maternelle, on va laisser pousser des cellules, on va devoir refaire un nouveau prélèvement prénatal, d'accord? Là, je suis sur le prénatal. Donc, le risque d'erreur, quand on vous rend un résultat, si on vous l'a rendu en disant qu'il est atteint, c'est qu'on est sûr de nos résultats, il est 100% atteint. Ou s'il est sain, il est 100% sain, d'accord? Si on a des problèmes, on vous le dit et on refait un prélèvement. Pour le préimplantatoire, vous avez tout à fait compris, on a très peu de matériel génétique, on a une à deux cellules. Ce qui fait qu'on rend nos résultats, il faut qu'on travaille beaucoup en amont et c'est pour ça qu'on a aussi des délais de lourdeur de mise au point génétique, selon si on a une cellule ou deux cellules, selon si tous nos marqueurs de part et d'autre du gène se sont passés, on va rendre avec un risque d'erreur, mais c'est toujours des risques d'erreur faibles. On n'est jamais dans le même ordre de risque d'erreur que le risque de transmission de la pathologie qui est de 25%. Ici, quand je vous dis risque d'erreur faible, on est autour de 1%. 1%. Grand max, quand on n'a pas eu les deux cellules et tous nos marqueurs ne sont pas passés, elle est 3%. Ça fait 20 ans qu'on fait du diagnostic préimplantatoire en France et on vérifiait systématiquement sur tous les enfants qui sont nés du diagnostic préimplantatoire, on n'a jamais eu d'erreur. Ce qui fait qu'on a arrêté de faire cette vérification il y a 5 ans parce qu'on ne se trompe pas. Alors parfois, oui, on peut rendre un petit risque d'erreur. On voit les patientes en consultation si elles ont une grossesse suite à ce diagnostic préimplantatoire et on discute avec le couple. Est-ce que ça vous rassurait qu'on fasse un prénatal de confirmation sur les embryons transférés issus du diagnostic préimplantatoire? On a très, très, très peu de vérifications parce que le risque d'erreur, il est faible et les couples disent, bah non, laissez-moi tranquille, j'ai attendu mes 18 mois, je suis enfin enceinte, votre risque d'erreur, il est très faible, il est de l'ordre de 1%, je ne ferai rien. Et on ne fait quasiment jamais de vérification au cours de grossesse. Mais ça vous est expliqué. Ce n'est pas quand une fois vous êtes enceinte qu'on vous dit « attention, il y avait un risque d'erreur ». Non, c'est au moment du transfert des embryons. Vous êtes reçu par les biologistes et les gynécologues qui vous disent « voilà, Necker a rendu les résultats. Sur deux embryons, on a le risque habituel, on est de l'ordre de 1%, voire moins. Et sur l'autre embryon, comme il n'y avait pas les deux cellules et tous les marqueurs ne sont pas passés, on a un risque d'erreur un tout petit peu plus élevé. On verra si vous êtes enceinte suite à ce transfert-là. » On vous revoit, on discute avec vous. D'accord, merci beaucoup. De rien. Donc, voilà les avantages et les inconvénients des deux procédures. Alors, je sais que tout est compliqué. Je vous ai assommé peut-être avec un flot d'informations. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et surtout, l'idéal, c'est de vous rapprocher des services de génétique pour être reçu en consultation avec soit les généticiens, soit les conseillers en génétique et qui reprennent ces procédures avec vous en vous laissant du temps de réflexion avant de venir dans ces procédures-là. Parce qu'on sait que tout est compliqué. Voilà. Il n'y a pas de bonne solution. Justement, comment se fait la prise de rendez-vous? C'est en discutant avec son médecin ou en vous contactant directement? Alors, vous pouvez discuter avec vos généticiens. Par exemple, pour le diagnostic préimplantatoire, il peut nous adresser une demande d'inscription. Vous n'avez pas besoin de venir, par exemple, à Paris. Quand vous êtes en province, vous n'êtes pas obligé de venir à Paris. Il peut adresser sa demande aux 5 centres de diagnostic préimplantatoire, à un des 5 centres, et on fait l'inscription via son généticien qui vous connaît. D'accord. Et le prénatal, pareil, vous pouvez vous approcher de n'importe quel service de génétique dans les CHU près de chez vous pour être prise en charge en cas de grossesse. D'accord. Et il y avait une autre question peut-être, parce que là on est beaucoup parti des couples en désir de grossesse. On a aussi pas mal de questions par rapport à des fratries qui auraient soit été identifiées comme porteurs sains, parce que des tests ont été faits très tôt, ou alors qui, arrivés à l'âge adulte, se posent la question, n'ont peut-être pas encore, ne savent pas encore s'ils sont porteurs ou pas. Comment ça se passe pour eux? Alors pareil, pour toutes les fratries qui sont inquiets, même quand ils ne connaissent pas leur statut, ils ont une angoisse, il faut qu'ils aillent en consultation de génétique pareil près de leur domicile. D'abord, on va vérifier leur statut, parce que même parfois quand ça a été rendu... ça a été rendu par un généticien qui sont porteurs sains, on va vérifier ce résultat-là et on discute avec eux de l'intérêt ou pas de tester le conjoint ou la conjointe en fonction de la fréquence de la pathologie génétique dans la population générale.
D'accord. Souvent, pour les maladies génétiques, c'est dit des maladies génétiques rares, on ne vérifie pas le statut du conjoint s'il ne lui est pas apparenté, s'il n'est pas issu de la même famille avec le même risque de génétique ou parfois les mêmes origines qui font que vraiment on se dit, bah voilà, on va quand même vérifier chez la conjointe. Mais ça, c'est discuté au pas, cas par cas en consultation de génétique. Voilà, sur certaines pathologies, on a été amené à tester le conjoint et la majorité des cas, on a rassuré le couple en disant, bah non, on ne va pas tester le conjoint ou la conjointe. On va vous laisser tranquille, la fréquence est quand même très faible. D'accord. Donc, pareil, consultation avec les conseillers en génétique ou les généticiens près de votre domicile dans les CHU. Peut-être les temps de délai pour définir un statut, si on est porteur sain ou pas, du coup, il faut peut-être anticiper avant d'être enceinte. Oui, alors l'idéal, c'est ça, c'est toujours anticiper parce que quand vous arrivez à chaud avec une grossesse, c'est panique à bord et puis tout court-circuite. Donc, en effet, l'idéal, c'est de se rendre dans le service de génétique avant. Quand la mutation a déjà été identifiée dans la famille, bien sûr, on regarde que la mutation identifiée pour voir si vous êtes porteur ou porteuse, mais il faut quand même compter des délais moyens selon les laboratoires qui peuvent aller de 1 mois à 2 mois. Alors, quand il y a une grossesse en cours, bien sûr, on va le faire dans le cadre de l'urgence, par exemple dans la maladie de Hunter, pour savoir si la patiente est conductrice, et là, on va le rendre assez rapidement dans le gros centre de prénatal, on va vous le faire en 15 jours. Mais l'idéal, c'est de connaître son statut vis-à-vis de ces pathologies-là avant une grossesse. Donc, l'idéal, c'est d'aller en service, en consultation 1 à 2 mois avant un projet de grossesse pour être tranquille. Alors, deux questions. Alors, en cas de fille porteuse de la maladie d'Hunter et homosexuelle, possibilité de rentrer dans le processus de l'AMP et DPI? Oui, maintenant, exactement. On a ouvert PMA pour toutes. Donc, les patientes qui sont en couple homosexuel ou qui n'ont pas de conjointe, qui vont faire un don de spermatozoïdes pour la maladie de Hunter, peuvent venir s'inscrire sur nos listes d'attente et on pourra bien sûr faire du diagnostic préimplantatoire. Voilà. Et juste, je ne vous ai pas dit dans le diagnostic préimplantatoire, puisque j'ai un discours parfois pessimiste sur cette procédure-là, du fait de nos délais qui sont de 18 mois, on a une limite d'âge maternel parce qu'on sait que pour nous, les femmes, au-delà d'un certain âge, bah, les qualités embryonnaires sont moins bonnes, on a une réserve ovarienne qui est moins bonne et on sait qu'on n'est pas très bon dans cette procédure, alors qu'en grossesse spontanée, il n'y a pas de souci, on peut faire des enfants à 40 ans, 41 ans. En préimplantatoire, on sait qu'on n'est pas très bon dans les stimulations. Et je vous ai dit 20% taux de succès, mais c'est pour les patientes inférieures à 38 ans. Pour les patientes au-delà de 38 ans, les taux de succès sont de l'ordre de 1%. Ce qui fait que nous, du fait de notre liste d'attente, on ne prend plus les patientes, on ne les inscrit plus sur notre liste d'attente à partir de 37 ans. 36 ans, on fait une réserve ovarienne. En fonction de la réserve ovarienne, on les inscrit, mais au-delà de 36, ben, on ne les prend plus en charge. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que voilà, maintenant les femmes sont actives et l'âge du premier enfant, hein, même s'il reste un petit peu stable, nous on voit les patientes qui viennent nous voir un peu plus tardivement. Voilà, on vous recommande en tout cas de vous rapprocher des centres pour prendre des informations et vous inscrire dans les procédures avant cet âge limite. Alors, il y avait une autre question, mais par contre, Justine, je ne la comprends pas, votre question. Peut-être vous pouvez Si, allumer votre micro. non, j'ai compris, c'est qu'en Ah. fait, donc la maman a un petit garçon qui est Hunter, mais avec son ex-conjoint. Et Oui. donc, sa question, donc elle a son X qui est atteint en tant que Oui. maman. Et donc, sa question, c'est est-ce qu'avec son nouveau conjoint, elle pourrait avoir un enfant atteint d'une autre maladie lysosomale? Alors déjà, Bon. elle a le risque de la maladie de Hunter, puisque c'est elle qui est conductrice, même si elle change de conjoint, on est toujours dans la configuration où c'est la patiente qui porte la mutation. Donc elle a le risque, en cas de fœtus masculin, d'avoir un garçon atteint de la pathologie génétique. D'accord? On est dans cette configuration-là, puisque même si elle change de conjoint, finalement, son statut pour le Hunter, en tout cas, ça ne change pas. Donc le risque pour elle d'avoir un garçon atteint, il va être de 1 sur 2. Et est-ce qu'elle a un risque qu'il soit porteur d'une autre maladie lysosomale, oui, comme dans toute la population générale, on peut être à risque de porter une maladie génétique lysosomale ou hors lysosomale. Mais ça, on va pas faire des génomes, on ne fait pas du whole génome tout venant s'il n'y a pas de pathologie génétique identifiée dans la famille. Donc, on ne le saura pas. On repart sur tous les risques de patientes lambda avec un nouveau conjoint d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique. Mais Mais c'est parce pas que facile. c'est pas le même gène en fait dans chaque maladie lysosomale, le gène muté est Ah bah différent. Donc oui, ça sera. il faudrait
il faudrait que ce soit un autre gène qui soit aussi muté et que donc le nouveau conjoint ait ce gène muté. Et d'autres pathologies, là on parle de maladies génétiques, mais un conjoint qu'on vient de rencontrer, il peut être porteur de d'autres maladies génétiques, mais ça, on ne va pas les tester. Donc pour le hunter, la dame, elle a le même risque. Et pour si, est-ce que la question, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'il est à risque qu'il soit porteur de maladie, d'une autre maladie? Oui, il est à risque de porter une autre maladie, mais ça, on ne pourra pas le savoir. On ne va pas tester le conjoint. Donc, il faut qu'elle-même soit porteuse d'ailleurs de cette autre maladie. Exactement, et ça on ne le regardera pas non plus. Nous on a identifié parce qu'elle a un petit garçon atteint d'une maladie de Hunter, donc on connaît cette mutation-là, on sait qu'elle est conductrice et c'est ce qu'on va faire en prénatal préimplantatoire. On ne regardera pas si elle est porteuse par exemple de la maladie de Hurler ou d'autres pathologies lysosomales, ça on ne le regardera pas. Du coup peut-être il y a une nouvelle demande, est-ce que vous pouvez nous rappeler les 5 centres de DPI? Bien sûr, alors, les 5 centres de DPI, je vais vous les remettre, voilà. Hop. Donc, Paris, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Nantes. Voilà. Et 48 centres pour les DPN, il y en a 48. Oui, à peu dont près. Dont un à Marseille, parce que c'est une famille qui est vers Marseille. Oui, ouais, exactement. Dont un à Marseille. Après, il faut interroger les centres de DPI pour la prise en charge de votre pathologie. Voilà. Si c'est Marseille, vous pouvez demander à Montpellier si c'est plus proche de chez vous. Voilà, est-ce qu'ils prennent en charge pour cette maladie lysosomale et ils vont vous répondre et vous mettre sur leur liste d'attente. Et ça, pour faire la demande d'inscription sur les centres de diagnostic préimplantatoire, c'est à votre généticien de faire un courrier en joignant les résultats, un courrier de compte-rendu de consultation, un arbre généalogique au centre et ils font l'inscription. Alors, une autre question, mais je pense que finalement, le processus est le même. La question était, maladie de Hunter peu prononcée chez un garçon, quel processus indiquer pour avoir une grossesse? Alors, pareil, c'est ce que je vous ai dit. Si c'est une vraie maladie de Hunter classique avec la mutation génétique, même s'il a un phénotype qui est moins sévère que le phénotype habituel, déjà, on va vérifier la mutation. Est-ce qu'on est bien sur une vraie mutation rapportée dans les maladies de Hunter? Mais si on répond au cadre légal qui est d'une pathologie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic, ben, on peut proposer le prénatal ou le préimplantatoire dans la maladie de Hunter. Parce que parfois, pour une même pathologie, il y a des enfants qui vont être un peu moins atteints que les autres. Voilà. En fonction de la mutation, effectivement, la sévérité peut être différente. Et chaque enfant a sa spécificité. Donc voilà. Mais on ne peut pas assurer à un couple ben voilà, que le deuxième enfant ira aussi bien que le premier, entre guillemets. Donc tout est rediscuté cas par cas. Donc oui, on peut proposer ces deux procédures pareilles. François, est-ce qu'il y avait éventuellement des questions qui avaient été posées en amont? Je regarde, j'étais en train de regarder. On avait une question sur un jeune garçon qui est porteur, lui, de la maladie de Hurler, qui est greffé. Donc, c'était le risque de transmettre la maladie s'il avait des enfants. Bon, on a un petit peu répondu. Et de toute façon, c'est de rentrer dans un processus de conseil. Exactement. Pour voir par rapport à sa conjointe et la demande du couple, si la conjointe est apparentée, pas apparentée, est-ce qu'on la testerait? Frère ou sœur voulant un enfant et inquiétude que le bébé ait la même maladie que la sœur. Personne n'a voulu faire de diagnostic prénatal. Alors là, Ah oui, on ne fait pas systématiquement du prénatal pour la fratrie. Si c'est les maladies autosomiques récessives, même si le frère ou la sœur qui sont indemnes ont un risque d'être porteurs sains, un sur deux d'être porteurs sains, bah comme c'est des pathologies génétiques rares, on ne va pas tester le conjoint, sauf s'il lui est apparenté ou issu des mêmes origines. On peut discuter éventuellement en consultation. Mais on ne teste pas systématiquement les conjoints, c'est discuter en consultation en fonction des angoisses des couples. Et donc, on ne fait pas de prénatal. On ne fait pas de prénatal d'emblée, ça c'est sûr. On est dans le cadre des maladies autosomiques récessives. Là, il y a une autre question. Pendant le préimplantatoire, donc vous avez dit qu'il y avait possibilité de tomber enceinte de toute façon naturellement aussi pendant cette période-là. La question était comment savoir si la grossesse est issue du préimplantatoire ou
elle est naturelle. Et donc, je pense que sous-jacent, est-ce qu'il faut faire du diagnostic prénatal ou pas suite à ça? Alors, quand j'avais dit ça, c'est souvent les couples s'inscrivent en préimplantatoire du fait des délais et lancent une grossesse en attendant d'être reçues en consultation pluridisciplinaire et la mise au point génétique. Donc là, si elles sont enceintes, on sait que c'est issu d'une grossesse spontanée puisqu'on n'a même pas commencé le préimplantatoire. D'accord? Si on a commencé le diagnostic préimplantatoire et qu'on a commencé la stimulation, bah, mince. En général, ça aussi, en fait, tant qu'on a. Souvent, quand vous êtes là au stade, pardon, de stimulation, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on vous déconseille d'avoir un rapport sexuel sur cette période-là. Voilà. Et donc, toute cette période-là, si vous êtes enceinte, bon, on sait que ce n'est pas le diagnostic préimplantatoire, puisqu'on n'a pas fait encore, on n'a pas ponctionné les ovocytes. Donc, vous pouvez pas trans. Vous pouvez, en tout cas, on sait que ce n'est pas suite au DPI, puisqu'on n'a pas ponctionné les ovocytes et on ne les a pas micro-injectés avec les spermatozoïdes. Vous voyez? On n'est même pas arrivé à ce stade-là. Donc là, on sait que c'est une grossesse spontanée. Et une fois que ça, c'est in vitro, bah, on sait qu'on n'est pas dans le cadre de la grossesse qu'on sera dans le cadre de la grossesse spontanée parce qu'on n'a pas fait de transfert d'embryon pour le moment. Et donc, une fois qu'on transfère les embryons, bah, on est sûr. On n'a jamais eu cette problématique-là de se poser la question est-ce que c'était une grossesse spontanée ou suite à un DPI? Parce que finalement, les grossesses, c'est quand on transfère vraiment l'embryon, on se pose la question. Avant toutes ces étapes-là, si vous êtes enceinte, c'est une grossesse spontanée. Mais oui, souvent. Oui, mais souvent, vous avez tellement attendu pour ces procédures-là que vous êtes très vigilante sur cette phase de stimulation ou même avant qu'on transfère l'embryon pour être enceinte. Donc, ce n'est pas ça trop le problème. Et donc, là, une autre question qui sort de, mais qui revient sur ce que vous aviez dit déjà. Donc, si un garçon malade de Hunter, mais qui est adulte, a un enfant. La question est de savoir est-ce que cet enfant aura la maladie de Hunter, mais là on est sur non. X. Non, si c'est un garçon qui est atteint de maladie Hunter, qui a un enfant, il n'aura aucun enfant atteint de la maladie de Hunter parce qu'il transmet, il porte l'anomalie reliée au Hunter sur son chromosome X. Les filles seront donc conductrices obligatoires parce qu'il va transmettre forcément son X à lui et le X, peu importe le X de la maman qui est indemne d'une pathologie. Et donc les filles vont être conductrices obligatoires et quand il a un garçon, il transmet son Y. Donc les garçons vont aller bien. Donc, le risque pour les garçons d'avoir un enfant atteint de la maladie de Hunter, il est de 0%. Il n'aura que des filles conductrices. Voilà. Et les filles, quand elles seront à l'âge adulte, bah, c'est leur risque à elles de transmettre maintenant la maladie de Hunter à leurs garçons. Donc, on repart sur le parcours des filles conductrices. Merci. Il y avait une, mais vous y avez répondu, c'était notamment dans, par exemple, une maladie comme Gaucher type 1 où un traitement existe. Vous disiez que le diagnostic prénatal n'était pas forcément proposé, voire peut-être refusé même. Ouais. Nous, on n'a jamais eu de demande sur les gauchers de type 1 parce que finalement, les couples se rendent bien compte qu'il y a un traitement et le cadre légal dit une pathologie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Oui. Il y a cette notion d'incurabilité. Alors, bien sûr, tout est discuté cas par cas parce que on entend la souffrance des familles qui ont un enfant atteint de maladie génétique, quand bien même il existe un traitement, on les entend. Donc, on les reçoit en consultation, on leur fait peser le pour et le contre, et souvent, les couples retirent d'eux-mêmes leur demande de prénatal. Donc, pour le moment, nous, on n'a jamais eu de demande de prénatal pour la maladie de Gaucher de type 1, parce qu'il y a le traitement. Mais s'il y a une réelle souffrance, le couple peut aller en consultation de génétique et discuter avec un généticien. Voilà. C'est pas, on leur dira pas oui, parce que parfois notre rôle n'est pas de dire oui, mais de discuter avec le couple, de voir voilà, quelle est la réelle demande, de faire peser le pour et le contre avec les différentes procédures. Et souvent, les couples ils cèdent en disant non, non, on va pas venir pour cette indication-là. Oui, mais ça peut être, en tout cas, ça peut être proposé et. Bah, en tout cas, ça peut être discuté. Voilà, bien sûr, ça peut être discuté en consultation. Nous, pour d'autres pathologies, là, on est dans les maladies lysosomales, mais on a des demandes pour plein de pathologies dans les centres de diagnostic prénatal, parfois pour des fentes palatines, des discussions, on ne dit pas oui. On entend la souffrance des couples et on les reçoit en consultation. On vous dira toujours oui pour vous recevoir en consultation et discuter avec vous. Voilà. Et après, tout est discuté cas par cas en staff. Maladie de Fabry, j'imagine que c'est pareil que la maladie de Gaucher, c'est discuté. Exactement, c'est discuté aussi. Il faut se présenter en consultation et discuter avec les familles. Mais encore une fois, voilà, on a très, très peu de demandes qui sortent un peu des clous. On en a Alors, quasiment nous, pas.
Nous, ça nous est arrivé deux, trois fois d'avoir effectivement des couples qui ont fait des demandes pour lesquelles ça a été refusé et qui, du coup, voulaient quand même aller plus loin. La question qui se posait, c'était de savoir est-ce que d'un comité à l'autre, il y avait éventuellement des façons d'aborder la situation avec des décisions qui pouvaient être différentes. Exactement, chaque centre de diagnostic prénatal décide dans son âme et conscience, et chaque centre peut émettre un avis différent. Donc, tout peut être discuté. Donc, les couples, parfois, quand ils ont eu un refus, viennent voir un autre centre pour discuter avec le deuxième centre. Mais voilà, après, y a des généralités où on est tous plus ou moins d'accord. D'autres pathologies, on peut être plus à discuter. Parfois, on fait aussi voir les couples par des psychothérapeutes quand il y a une réelle souffrance psychologique et de rediscuter en staff avec les psychologues et les généticiens qui ont vu les familles. En tout cas, on n'est jamais fermé à une discussion, en tout cas en consultation. Donc, il ne faut pas hésiter de solliciter. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un refus aussi parce que, comme vous avez vu, ces deux procédures sont compliquées. Moi, je pars dans l'idée de faire une interruption médicale de grossesse ou de passer par une PMA. Vous avez vu comment c'est compliqué. Bah, les couples ne le font pas de gaieté de cœur. Donc, quand vous venez avec des demandes, c'est qu'il y a une réelle souffrance. Une fois qu'on vous a tout expliqué, que vous avez fait tout le parcours, que vous avez les psychothérapeutes, si vous maintenez la demande, c'est que la demande est vraiment là. Voilà. Et que les couples, finalement, quand ils se rendent compte de la lourdeur, de même pour les pathologies qui sont un peu plus discutables, gauchers de type 1 ou au maladie de Fabry, bah, finalement, ils cèdent de même parce que interrompre une grossesse, aucune patiente, aucun couple ne le fait de gaieté de cœur. Même quand on connaît, c'est une pathologie génétique qui est sévère, c'est toujours compliqué psychologiquement. Hein. Un enfant qu'on souhaite, voilà, on l'interrompt pour une maladie génétique. C'est quand même un déchirement hein, pour les couples. Donc voilà, moi je vous invite tous, si vous avez une demande, bah, d'aller voir vos généticiens et d'en discuter avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, combien dure? Alors, une question qui vient d'arriver. Combien de temps dure le processus avant de tomber enceinte? Alors, quel processus? Le pré-implantatoire, là, celui-là? Si Alors, je c'est. ne sais pas combien de temps. Il est difficile de pouvoir laisser son enfant malade. Ah, alors c'est le prénatal, je Ah pense. oui, donc ça doit être le prénatal. Ouais, le prénatal, on rend assez rapidement. Alors, si on est dans la maladie autosomique récessive, d'accord, en 10 jours, on a le résultat. Nous, à Paris, en tout cas, en 10 jours, on a le résultat. Donc, on est à 12 semaines d'aménorrhée, ça fait 10 semaines de grossesse. Donc, 10 jours après, on a le résultat. C'est-à-dire qu'avant le troisième mois, on sait où on va. On sait si c'est un fœtus qui est atteint ou un fœtus qui est sain. D'accord? Ça, c'est pour autosomique récessive. Et pour le Hunter qui est lié à l'X, ben, on a le sexe fœtal. On le fait à 10 semaines d'aménorrhée. Donc, on est encore 2 semaines avant, tout à l'heure, le prélèvement de placenta. On est à 8 semaines de grossesse. Donc, une semaine après, on a le sexe du bébé. Donc, si c'est une fille, ça s'arrête déjà là. Et si c'est un garçon, ben, on repasse sur la biopsie de trophoblast avec le résultat 10 jours après. Donc, en tout cas, dans les deux procédures, quel que soit le mode de transmission, avant le troisième mois, on est fixé. Voilà. Donc, je sais que troisième mois, c'est compliqué pour les patientes parce que c'est quand même troisième mois, mais on est par exemple, dans les délais de fausse couche. Voilà, on est dans ces délais-là encore. Par exemple, il y a certaines patientes qui ne disent même pas à leur entourage ou milieu professionnel qu'elles ont fait une interruption médicale de grossesse. Elles disent on a fait une fausse couche, par exemple, si elles ne veulent pas rentrer dans les détails et qu'elles ne veulent pas se justifier envers les gens. Mais c'est sûr, c'est 3 mois. Alors, 3 mois, ça peut paraître long et ça, on comprend parfaitement les patients avec l'angoisse du fœtus parce qu'on a besoin d'investir ce bébé quand on est enceinte, quel que soit le terme, dès le premier jour, on a besoin de l'investir. Mais voilà, toutes les équipes travaillent en tout cas sur ce qu'on appelle prénatal non invasif pour essayer de gagner un peu de temps sur le délai de prélèvement pour ces pathologies-là. Donc, on travaille tous dessus. On est plusieurs équipes à travailler sur le prénatal non invasif. Donc, on espère dans l'avenir pouvoir gagner un petit peu là-dessus. Là, sur les 12 semaines et d'être au même moment que le sexe fœtal. Donc voilà, on va y arriver, on espère. Merci. Est-ce que ça répond à la question, Andrea? Je ne sais pas si c'était. Je vous laisse peut-être allumer votre micro si jamais. Parce que du coup, tout à l'heure, on l'a vu, pour une DPI, la maman doit être quand même, il y a un moment où elle doit être disponible à côté du centre pendant une quinzaine de jours, hein, Ouais. c'est bien ça? Ouais, exactement. Pour le DPI, c'est un peu plus contraignant parce que, en tout cas, nous, à Paris, on est assez exigeants. On demande à ce que le couple
La première semaine éventuellement de stimulation, on peut les laisser tranquilles, mais à partir de la deuxième semaine de stimulation, il faut vraiment les surveiller comme du lait sur le feu. On aime bien qu'elles viennent tous les 2-3 jours à bec clair. La première semaine, elles peuvent se faire surveiller un petit peu dans les régions où elles habitent, mais à partir de la deuxième semaine, elles doivent venir sur Paris. Le jour de la ponction, elles doivent venir sur Paris. Le jour du transfert, elles doivent venir sur Paris. Donc, ça demande en effet 15 jours à 3 semaines de disponibilité. Dans les autres centres, ils fonctionnent différemment par rapport à nous parce qu'ils travaillent avec d'autres centres qui sont à proximité des régions des patientes et les contrôles peuvent être faits près de leur domicile. Voilà. Donc, ils sont un peu moins exigeants à vous demander à venir forcément sur place. Ils vous demanderont à un moment donné, ça c'est sûr, mais un peu moins souvent que nous, en tout cas à Necker. Merci. On avait peut-être une question dans les inscriptions. Alors, la personne doit être là, donc elle pourra peut-être préciser. Est-ce qu'il est possible de demander un DPN pour une maladie génétique lorsque les parents ne sont pas porteurs? Je pense qu'ils savent qu'ils sont porteurs sains et que l'on craint un risque de mutation de nouveau. Ah, alors, est-ce qu'ils sont porteurs sains ou ils ne sont pas porteurs sains? A priori, ils ne sont pas porteurs. Donc, alors, s'ils sont pas porteurs, s'ils sont pas, alors, s'ils ne sont pas porteurs sains, si on ne sait pas où regarder, bah, on ne va pas faire ni prénatal ni préimplantatoire. On ne va pas à l'aveugle faire des choses. Donc, et en DPI, on ne peut pas dire, tiens, je transfère un embryon qui est indemne de toutes les pathologies. Donc, il y a toujours, on ne prend pas en charge quand c'est de novo. Quand c'est accidentel, génétique, et ce n'est pas porté par les parents, on ne prend pas en charge que ça en préimplantatoire. Voilà. C'est ça la question, si c'est de novo, si on connaît pas. Je pense qu'effectivement, c'était la question, c'était en cas de mutation de novo, est-ce qu'il y avait possibilité de faire quoi que ce soit, quoi. Alors, en cas de si par maison un enfant qui a atteint une pathologie génétique de novo identifiée, mais non portée par le sang chez les parents, on ne fera pas de pré-implantatoire puisque le risque que ça recommence est faible puisqu'il s'agit d'un accident génétique survenu chez un enfant et qui n'est pas porté dans le sang des parents. Donc, on ne prendra pas en charge un diagnostic pré-implantatoire. D'accord ? En revanche, quand ils ont un enfant atteint de maladie génétique et qu'il ne porte pas dans le sang, on ne peut pas exclure ce qu'on appelle le phénomène de mosaïque germinale, le fait que des fractions de cellules germinales, spermatozoïdes ou ovocytes puisse porter la mutation. Ce risque-là est faible dans les maladies génétiques, il doit être inférieur à 1%, mais parfois on peut proposer un prénatal de confirmation quand la mutation a déjà été identifiée chez le premier enfant. Donc ça, on peut s'assurer en prénatal que le fœtus ne porte pas la mutation qui a été identifiée chez le premier enfant dans le cadre des maladies génétiques de novo chez le fœtus. D'accord. Et on ne prend pas en charge en préimplantatoire parce que le risque est faible de récidive. Oui. On ne va pas les faire passer par une PMA, par 2 ans de délai d'attente pour quelque chose qui va être… le risque de récidive est très faible. En prénatal, oui, on peut les rassurer. En préimplantatoire, on ne va pas les prendre en charge. D'accord. Si j'ai bien compris la question. Hein. Oui, je crois que c'était ça la question. D'accord. Moi, je n'ai pas d'autres questions, François, je ne sais pas. Et si quelqu'un veut une dernière question? Non, je n'ai pas de… Non plus? Oui, donc c'était bien ça, c'était bien la bonne réponse. D'accord. Question. Très bien. Non, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, peut-être qu'on peut… Bon, il y a des remerciements. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, on peut peut-être vous libérer pour vous permettre de pouvoir aller tranquillement à votre consultation. Exactement. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, Delphine, vous avez mon mail. S'il y a d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me les faire retransférer et je vous répondrai par mail avec plaisir. Voilà. Merci, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et des questions, on est là pour vous accompagner tous et toutes. Il ne faut pas hésiter à solliciter vos généticiens et les conseillères en génétique. On vous répond avec plaisir et on sait que tout ça, ça peut être compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Il ne faut pas rester avec des points d'interrogation surtout. Voilà. Il ne faut pas regretter après des choix. Donc, posez vos questions. Voilà. Merci encore pour cette invitation. Merci à vous vraiment pour cette présentation et ces réponses qui étaient, je pense, très, très claires. En tout cas, c'est ce que tout le monde met dans le fil de Super. Discussion. Voilà. Et donc, je vous laisse mon diaporama si vous en avez besoin. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Au revoir. À Au bientôt. Revoir. Bonne continuation revoir, à tout le monde. Au revoir. Merci.